Donc on est sur la ligne de crête hein, qui surplombe donc la vallée de la Salse, qui surplombe Jérusalem. On est sur un relief dont je n'ai pas encore situé le nom par rapport à Jérusalem, mais ce relief porte un nom à Jérusalem. Alors ça a dû vous étonner que je parle de ce chemin qui mène à Jérusalem. Mais en fait, il faut savoir que la communauté juive qui est arrivée à la fin du 6e siècle avant Jésus-Christ s'est installée dans la vallée de la Salse. Et nous allons voir Jérusalem en vrai, pas dans la cinquième dimension, pas une Jérusalem céleste, une Jérusalem qui existait sur place, qui couvrait toute la vallée de la Salse. Nous verrons même où était Magdala, nous verrons où était Béthanie près de Jérusalem. Tous ces lieux existent et tous ces lieux ont été habités. Exactement comme ça s'est passé là-bas à Jérusalem, et bien on va retrouver la même chose ici. Pour ouvrir ce tombeau, ça prendra beaucoup de temps, mais de toute façon, ça ne sera possible de l'ouvrir que quand là-haut on aura décidé qu'il peut s'ouvrir. Et en attendant, les chercheurs qui voudraient faire ça vite seront vite découragés parce que y a beaucoup de travail. Et tu vois que ça plonge de ce côté et que ça plonge de ce côté. Donc ici, tu as un dôme, d'accord ? Dessous, c'est creux. C'est un sanctuaire. Il y a des gens qui reposent là-dessous, d'accord ? Et comme tu peux le voir, ça a été placé face à la montagne. Donc si tu veux, le sanctuaire et les gens qui sont là-dessous, d'accord, ont été placés volontairement là par rapport au Bugarach. Et alors, je vais te donner une autre confirmation qui est inutile, c'est que la femme et l'homme, les deux époux, d'accord, donc du 1er siècle, sont sous la bienveillance de l'œil d'Horus. Donc, Horus, son œil, l'œil, si tu veux, veille sur l'éternel féminin et l'éternel masculin. Nous sommes à Béthanie, près de Jérusalem. On se trouve à exactement 15 stades de Jérusalem, mais c'est la Jérusalem du Razès. Nous sommes ici chez Marthe, Lazare et Myriam. On est également ici chez Joseph d'Arimathie. Cette métairie, cette ferme, ce château, parce qu'au départ c'était une fortification, c'était un château, a été construit fin 6e siècle, a été occupé jusqu'à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est son occupation au 1er siècle. Alors, je vous présente mon ami André Goudonnet. On s'est croisés en conférence. Je pense même, André, que c'était une de mes conférences. C'est possible? Non, c'est suite à un article que j'avais fait paraître dans une revue. Tu es venu me voir en me disant « je suis intéressé, tout ça, par ce que j'ai écrit et tout ça. » Et bon, moi ça m'arrangeait parce que lui, c'était un spécialiste du terrain et moi j'étais un spécialiste du décryptage, en fin de compte, de l'abbé Boudet. Quoi. Mais nos pistes se croisaient. Voilà, et donc on a commencé à discuter, on a commencé, André m'a montré un petit peu ses travaux. Et puis très rapidement, on est parti sur le terrain et André m'a dit j'ai deux ou trois confidences à te faire, j'ai des lieux, de grandes étendues, notamment l'étendue du dôme donc vous verrez dans le film, que vous allez voir. Et il m'a dit voilà, je suis sur ces lieux depuis un moment, j'aimerais que tu te penches sur ces lieux pour voir si éventuellement tu peux obtenir plus de précisions. Alors André sait que je suis un peu intuitif et que j'ai une manière sur le terrain d'arriver directement sur les lieux les plus importants. Et donc on a travaillé sur un premier lieu sur lequel je lui ai dit, moi par rapport à l'immensité du terrain, je vois bien une entrée dans tel lieu précis. Et sur un autre lieu, là par contre c'était fantastique parce qu'en fait j'avais déterminé que ce lieu était très important dans les années 80. Mais je n'avais pas eu le temps de le fouiller. Et après donc avoir s'être baladé sur le dôme, André me dit je vais t'amener sur un autre lieu. Et quand il m'amène sur ce lieu, alors là pour moi c'était fabuleux parce que c'était le lieu que j'avais vu dans les années 80. Et là André m'a dit voilà, ce lieu passe sur une ligne, ce qu'on appelle une rose ligne, une rouge ligne. Et là j'ai dit écoute, c'est curieux parce que c'est même fabuleux, ce lieu. Dans les années 80, j'avais commencé à enlever quelques pierres, et puis je n'avais pas eu le temps, j'étais tout seul. Mais que tu me remontres ce lieu, c'est vraiment fabuleux. Et alors, après, on ne dit jamais deux sans trois, et il y a eu
un troisième lieu, mais là on n'est pas allé sur place directement. André me dit, j'aurais quelque chose à te montrer sur carte. Et alors là, tu te souviens, oui. Je t'ai dit, attends, on ouvre la carte, tu ne me dis rien, je mets le doigt sur la carte, et seulement quand j'aurai mis le doigt sur la carte, tu me diras qu'est-ce que tu en penses. Et donc, j'ai posé mon doigt sur la carte, sur ce lieu, et André m'a dit, c'est exactement l'endroit que je voulais t'indiquer. Peut-être que tu peux, toi, nous dire comment toi tu travailles, puisque moi on sait que je travaille beaucoup à l'intuition, en recherche, mais à l'intuition. Mm-hmm. Mais toi, tu es arrivé sur ces lieux différemment. Oui, je suis arrivé sur ces lieux différemment parce que moi, je travaille qu'à partir du livre de l'abbé Boudet. Et donc, la ligne dont parle Jean-Michel, je l'ai déterminée à partir de la carte de l'abbé Boudet. Et donc, pour moi, elle avait une réelle importance. Et le dernier lieu où on est d'accord sur la localisation, c'est pareil, ça vient du livre de l'abbé Boudet où il nous fait tracer un triangle. Et dans ce triangle, j'avais déterminé une croix et cette croix tombait exactement où Jean-Michel avait mis son doigt. Alors c'est extraordinaire, mais en fin de compte, depuis qu'on se connaît, on voit qu'à demi-mot, on se complète très très bien. Tu vois, je vais te montrer quelque chose qui va te, ouais.